Salut tout le monde, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne des tribulations d'une maman au foyer. Regardez pas le bordel, j'ai pas fait de ménage de la semaine et j'ai pas envie en fait. Donc je vais le faire mais pas tout de suite. J'ai d'abord envie de faire un peu de DP avec vous. J'ai eu une semaine compliquée émotionnellement à gérer. Du coup, j'ai pas envie de faire, j'ai envie de faire du DP. Donc je vais faire de DP et je vais en profiter pour vous parler de ce petit stylet qui est juste trop beau. Et je vais vous expliquer du coup d'où il vient, d'où il sort ce stylet là. Et je vous mets sur mes mains tout de suite. Ok, j'espère que vous voyez bien. Du coup, je vous ai pris sur le drapeau Kanaki, sur le DP qui fait 20 sur 20. Comme vous voyez, je l'ai presque fini. En même temps, au vu de sa taille, c'était pas surprenant. Je le fais que quand mon mari est pas là. Donc du coup, j'en ai fait un petit peu la semaine dernière. Et là, je le fais aujourd'hui parce que mon mari travaille jusqu'à 22h, donc là il est il doit être bien au moins 16h, facile hein, je pense. C'est ça, il est 16h, j'ai fait ce que je ne fais d'habitude jamais. Je me suis levée ce matin, j'ai déjeuné avec mes enfants et tout, avec mon mari. J'ai préparé la valise de ma petite dernière, parce que ça y est, elle est partie en vacances. Ce qui m'arrange, je vais pas vous mentir, parce que vu la conjoncture actuelle en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu compliqué. Mais je vais pas rentrer dans les détails de ça là. Ça m'intéresse pas d'en parler sur ma chaîne. C'est des histoires de politique. Donc voilà, moi la politique ça me passe au-dessus. Si vous voulez savoir ce qui se passe un peu en Nouvelle-Calédonie, je vous invite à regarder NC la première. Ou tout simplement vous marquez événement Nouvelle-Calédonie. Vous trouverez certainement des informations de ce qui se passe en ce moment et de ce qui s'est passé dans les années 80, parce qu'on va certainement le revivre. Je vous en reparlerai, peut-être que je changerai d'avis et que je vous en reparlerai, mais bon. Donc du coup je me suis levée, j'ai réparé sa valise et tout. Et après manger, j'ai eu un coup de barre. J'ai dit, bon, écoute, je suis fatiguée, je vais aller me rallonger un peu. Parce que je m'étais quand même levée à 5h30 malgré que je sois... C'est le week-end, on est samedi. J'ai mon corps a pris le rythme de se lever à 5h. Du coup, je vous avouerai que ça m'a un peu fait skier hein, de me lever à 5h du matin un samedi. Donc du coup, j'ai dit à mon mari, écoute, je vais me rallonger. Je pense qu'une petite heure, je vais aller me rallonger une petite heure. Sauf que je me suis rallongée, il était déjà 9h30 et je me suis levée, il était 14h. Mais après, je pense que vu que j'ai une semaine chargée émotionnellement, je pense que ça m'a fatiguée en fait. J'ai tenu le choc jusque là et là j'avais besoin que de dormir. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? Lundi, je suis allée travailler comme d'habitude et... Habituellement, je mets, je vous dis, 45 minutes à faire la route. Et là, exceptionnellement, il n'y avait personne, mais alors vraiment personne sur la route. Donc j'ai dit, bon, c'est cool, je vais arriver de bonne heure et tout, tant mieux. C'est pas grave, moi, ça ne me dérange pas du tout d'arriver 3 quarts d'heure à l'avance au travail. Enfin, il y a toujours des choses à faire. Donc même si cette heure-là, elle n'est pas payée, pour moi, au moins, je suis zen dans ma tête, je suis à jour dans ce que j'ai à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour mon employeur, c'est pour moi être zen. Du coup, j'arrive à l'entrée de Nouméa et là, bouchon. J'ai dit, ok, hein, c'est pas grave. J'ai pas le réflexe de mettre la radio tout de suite, donc j'attends. Et je vois de la fumée noire et tout au loin, vers le centre-ville. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, il y a des gens qui ont eu un accident, la voiture est en train de brûler, les pauvres. Un lundi matin, comme ça, les pauvres et tout. Enfin, vraiment, j'étais dans l'optique, il y a eu un pet, quoi. Et en fait, je vois des bagnoles de flics absolument partout. J'ai dit, putain, mais il se passe quoi là en fait? Pardon, je pense très vulgaire dans cette vidéo, mais c'est pas dans mes habitudes non plus. Mais j'ai dit, mais il se passe quoi? Et ils nous redirigeaient vers. Moi, ça allait parce qu'ils me dirigeaient vers mon parking, donc ça tombait bien. Donc déjà, il y avait une meuf qui a voulu me griller la priorité, elle a failli m'emboutir cette. Bref, et du coup. Je me gare, j'arrive au travail, ma collègue arrive, elle me dit « Ouais, ça va, t'as pu venir ?» Je dis « Bah oui, pourquoi j'aurais pas pu venir ?» Elle me dit « Mais t'es pas au courant de ce qui se passe ?» Je dis « Bah non, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, c'était une... Ce sont des gens qui, voilà, d'après ce que vous aurez vu sur Google, si ça vous intéresse, en fait, n'étaient pas contents. Et du coup, ils ont cramé des pneus, mis de feu à des voitures, aux voitures au centre-ville. Enfin, moi, la mienne était heureusement dans un parking privé, donc ça va. Mais ils ont tiré, ils ont caillassé en fait les flics. Les flics du coup pour calmer tout ça, lançaient des grenades lacrymo. C'était Bagdad, vraiment.
Je vous mettrai d'ailleurs une petite vidéo rapidement là. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Du coup, voilà, ça je l'ai filmé depuis mon lieu de travail, donc lundi c'était ça. Donc je vais pas vous mentir, j'ai pas fait ma valise, j'ai beau avoir été militaire, j'étais en panique, hein, j'avais pas mon. Enfin, je suis désarmée comme tout le monde, donc du coup, voilà, c'était déjà un peu l'ambiance comme ça. Donc toute la semaine, on s'attendait à un retour de ce genre de choses, donc c'était une semaine compliquée. Jeudi, ça a été l'apothéose puisque. Il y a eu des événements qui se sont passés qui ont mis plein de monde en colère. Il y a des villes là en Nouvelle-Calédonie qui sont prises en otage carrément. Moi, mon frère, il travaille dans une entreprise. Il a dû être évacué en bateau parce qu'il y a eu des échanges de coups de feu entre police et peuple et tout. Oh là là, enfin bref, c'est la guerre quoi. Donc j'avais ça à gérer. Déjà, émotionnellement, c'était compliqué. Vendredi matin, j'étais terrorisée d'aller au travail. Vraiment, hein, j'ai pris la voiture avec la peur au ventre. Je me suis dit, s'ils sont sur la route et tout, enfin moi j'ai une connaissance, sa voiture elle a été secouée, elle s'est fait insulter et tout, enfin vraiment je suis partie travailler vendredi avec la peur au ventre. Non c'était pas vendredi, c'était jeudi. Enfin bref, je suis partie bosser, j'avais la trouille et tout, j'étais vraiment pas bien. Et mes parents m'annoncent, ça doit être le même jour, je crois. Non c'était hier que je l'ai su. Hier matin, non hier soir, avant-hier soir, donc hier matin, ah je suis perdue, j'ai su jeudi soir chez moi que ma grand-mère, bon elle a 98 ans, on va remettre les choses dans l'ordre aussi, était positive au Covid et qu'elle venait de nous quitter et j'ai accueilli la nouvelle tout à fait sereinement. J'ai un lien avec le deuil un peu particulier. Elle avait 98 ans. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, ça va être méchant. Je suis désolée si je vais vous choquer. Vraiment, hein. Je suis vraiment navrée si ça va vous perturber et si ça va vous choquer. Mais il vaut mieux elle qu'un de ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a quand même 98 ans, ma grand-mère. Elle a vécu, quoi. Elle a vécu sa vie. Il vaut mieux elle qu'un de ses enfants qui, aujourd'hui, ben, mon père il a 60 ans. Voilà, il faut quand même mieux elle qu'un jeune ou qu'un de ses enfants. Donc je suis désolée si ça vous choque. Bien sûr, j'ai de la peine, bien sûr. Évidemment, ça reste ma grand-mère. Après, j'étais pas proche d'elle. C'est une personne un peu. Voilà, on avait des caractères très différents, elle et moi, mais ça reste ma grand-mère quand même. Donc bien sûr, ça me chagrine. Mais voilà, je suis pas non plus. Je sais pas comment vous expliquer. Dites-moi d'ailleurs vous comment vous gérez ce genre de deuil. Enfin voilà, perdre sa grand-mère à 37 ans, je trouve que ça va. Il y a pire comme. J'en ai même pas parlé au travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas. Je préfère perdre ma grand-mère à mon âge que mes parents. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Bon bref. Donc voilà, ma grand-mère est partie rejoindre son mari. Écoutez, je pense que voilà, son âge, c'était. De toute façon, inéluctable, ça allait finir par arriver dans les mois qui arrivent. Donc. Voilà, il y a eu ça à gérer émotionnellement. Et puis, bah voilà, le fait de savoir que mon frère a quand même été dans un lieu, c'est qu'il y a eu des échanges de tirs et tout. Je vous avouerai que même si on n'est pas proche, mon frère et moi, ça reste compliqué à gérer, quoi. Donc, en plus de ça, mon frère, maintenant, du coup, a une image du peuple kanak au secours, quoi. Alors que moi, je suis mariée à un kanak. Donc, vous voyez ce que je veux dire, je suis le cul entre deux chaises, quoi. Vraiment. Donc. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de sensible, limite presque un peu fragile, donc du coup là ça a été un peu compliqué. Après je me sentais tellement bien en ce moment dans mes baskets et tout, vraiment, mais comme quoi le travail ça joue. Je me sens mieux, je revis vraiment, je prends plaisir à aller à des événements familiaux alors qu'avant ça me gonflait. Ouais, non franchement, je revis. Après c'est une semaine compliquée, on a tous des semaines compliquées. Donc voilà. Mais bon,
J'ai pas envie de me faire plaindre, c'est pas du tout le but de la vidéo. C'est juste que voilà, ça a été une semaine compliquée émotionnellement. Après, je m'en remettrai, j'en verrai de l'autre. Comme disait ma grand-mère maternelle, donc pas celle qui est partie, mais l'autre, j'en verrai de l'autre si je vis mon âge. C'est des choses plus graves que ça dans la vie. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire exactement. Du coup, ce stylet, je voulais vous en parler parce que... Bon, alors déjà, on va parler du DP en vitesse. 28 couleurs, je crois. Ouais, c'est ça. 28 couleurs pour un drapeau, ça me fait halluciner complètement. J'ai pas compris pourquoi ils m'ont mis 28 couleurs là-dedans. Mais bon, ne cherchons pas à comprendre. Écoutez, hein, c'est comme ça. J'espère que vous me voyez mieux parce que j'ai acheté du matériel pour pouvoir vous filmer vraiment du dessus. Regardez, mes deux mains sont libres, vous n'êtes pas de côté et tout. Donc j'espère que vous voyez mieux ce que je fais. Et puis, du coup, oui, c'est un DP de Huacan, c'est écrit dessus. Comme me l'a fait remarquer, je crois que c'est Diane qui m'a fait remarquer. Elle me dit, mais c'est écrit dessus que c'est Huacan. Mais oui, j'ai vu qu'après. Du coup, voilà, c'est un Huacan. Évidemment, les diamants sont parfaits. Même les noirs, hein, même les 310, ce qui me surprend, mais après c'est comme ça. Donc tant, c'est top, ça ne m'empêche pas d'avoir une mauvaise image de leur service client. En fait. C'est pas le matériel qui me gêne, c'est leur service client, leur façon de parler. Donc voilà, le DP avance, et donc ce stylet, je vous explique. Je suis tombée sur une vidéo en début d'année, là, je ne sais plus quand exactement, et je crois que c'était Ever Moment ou quelque chose comme ça, qui, pour ses partenaires YouTube, envoyait un stylet comme ça. Et je trouvais ça trop joli. Et bah, il n'était pas peut-être blanc, il n'était pas blanc, mais voilà, il envoyait un stylet avec ce diamant-là. Et du coup, je trouvais ça trop beau. Et je me suis dit, putain, j'ai trop envie d'avoir un stylet comme ça, mais j'ai pas envie de dépenser dans Ever Moment parce que ça coûte une blinde, quoi. En plus, je suis pas partenaire avec eux, donc je l'aurais même pas, ce stylet. D'ailleurs, ça avait fait un fou, hein, parce qu'évidemment, le partenaire YouTube recevait ce stylet et pas les gens. Quand vous allez savoir combien moi ça m'a coûté de faire ce stylet, voilà quoi. Franchement. Du coup, j'ai dit, il est trop beau ce stylet et tout, j'ai trop envie de l'avoir. Et j'avais vu ici, en fait, ici, on a des gens qui achètent sur AliExpress et ensuite ils vendent dans les galeries marchandes. En fait, ils achètent ce genre ça en gros. Et puis ils vont vendre ça avec évidemment une marge. C'est, voilà, je suis pas sûre que ce soit légal, mais bon, bref, c'est comme ça. Et donc ils vendent des sacs à dos licorne, vous voyez, tout ce qu'on peut trouver rigolo, les mugs ananas, enfin bref. Et j'avais vu ces stylos là, je les avais vus à 650 francs. Donc 650 francs ça fait 240, c'est 2, 360 c'est 3, 484, 600, 5. Donc voilà, 650 francs, c'est 5 euros et des brouettes. 5 euros, un stylo. Donc non, hein, clairement pas. Et du coup, j'ai cherché sur AliExpress et je les ai trouvés à 120 francs le stylo, donc 1 euro le stylo. Avec des recharges par-dessus le marché. Donc du coup, j'en ai pris un pour moi, un pour ma fille. Et donc, je les ai reçus, évidemment, je les ai commandés en avril et je les ai reçus la semaine-ci. Donc je l'ai ouvert. J'ai enlevé du coup toute la partie. Attendez, je vais essayer de demander à Toya de me tirer. Ok, du coup voilà. À la base, c'est un stylo comme ça. Donc voilà, qui coûte 120 francs. 1 euro sur Ali. Et donc, j'ai pour le mien enlevé du coup cette partie-là. J'ai dévissé cette partie-là. Si j'y arrive, évidemment. Voilà, vous voyez, là, il y a la recharge du stylo. J'ai enlevé la recharge de stylo, je vais pas le faire là parce que bon, ouais, c'est celui de ma fille, j'ai pas envie de le casser. Et à la place, du coup, je vais remettre ça. Hop. À la place, j'ai mis de la colle chaude. Et au bout de cette colle chaude, j'ai mis, du coup, où est-ce qu'il est mon stylet de celui-ci là? J'ai pris avec ma pince, attendez, bougez pas. Ok. J'ai retiré avec une pince, évidemment pas celle-là, mais avec un outil. Hein. J'ai retiré donc cette partie-là. Là, pardon. J'ai retiré cette partie-là, donc d'un stylet normal, hein, d'accord. Et je l'ai collé tout simplement dans ma colle chaude qui du coup débordait, hein, ici. Et je l'ai collé et je l'ai laissé sécher. Et c'était fini. Donc ça m'a coûté 1 euro. Allez, on va compter 2 euros pour la colle chaude
et pour les 5 secondes de travail que ça m'a pris. Et du coup, j'ai mon beau stylet. Je suis trop contente. Il tient bien en plus de ça, donc voilà. Et si vraiment je veux le sécuriser, mais ça bouge pas, hein, vraiment, pour le coup, ça bouge vraiment pas. Si vraiment je me sens pas et que j'ai envie de le sécuriser, bah, je mettrai un point. Pardon, j'ai loqué. Je mettrai un point de colle autour de voilà, de mon. Un point de colle glue. Voilà, j'étais en train de chercher le mot là. Du coup, je vous reprends tout de suite. Ok, et voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, il n'y a pas 36 choses à dire de toute façon. Voilà, donc ce stylet, vous voyez, qui a été envoyé par je sais plus quelle boutique à une youtubeuse, ça a fait un foin monstre, parce que oui, c'est pas normal qu'elle ne reçoive pas la même chose que toi. Ben oui, c'est normal mais que vous râliez, mais c'est aussi normal qu'elle ait une contrepartie, elle fait de la pub pour ce vendeur, donc c'est normal qu'elle ait une petite contrepartie. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu un scandale pour quelque chose qui coûte 1€. Donc voilà, bon bref, ça me regarde pas, c'était pas moi le scandale, mais je trouve ça tellement, enfin, je dis à des gens, il faut arrêter quoi, de prendre la tête à des gens comme ça pour ça, et je pensais pas qu'il y ait des choses plus graves quoi, enfin bref, vous voyez que je suis mauvaise humeur, vous voyez que ma semaine a été compliquée. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et bon été à vous. Ciao, ciao.